Je me nomme Zara Doumbia Joyce Omahu. Je suis nationalité ghanéenne togolaise, mais je suis résidée en Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, je travaille en Mauritanie. Je fais les plantes que Dieu m'a données dans un rêve. Et ces plantes-là, ça traite cancer des seins, cancer des foies, plus hépatite A, B, C. Je traite l'impuissance conjugale, je traite le diabète, je traite les maux de cœur, et les reins, en tout cas beaucoup. Les hémorroïdes, aiguilles, les spermatoïsmes. Il y a des hommes qui n'ont pas fertile, ils ne peuvent pas faire enfant. Je traite ça. Okay. Et notamment la maladie que vous traitez le plus, c'est le cancer. Le cancer des seins et cancer des foies. Dont beaucoup de femmes notamment sont... Voilà. Si le cancer des seins, la boule, une fois une femme touche son sein et voit qu'il y a boule, ou bien elle est partie détecter ça à l'hôpital. Et on lui dit c'est une boule comme grain de petit grain ou bien boule qui peut peser, je ne sais pas. Voit qu'il y a un peu gros dedans. En tout cas, une fois elle vient, si ça a trop duré 2-3 semaines, ça va partir. Il boit et on frotte médicaments dessus. Ça va, au bout de 3 semaines, un mois plus tard, ça va partir et ça ne reviendra plus. Vous travaillez uniquement à base de plantes. Je travaille à base de plantes, mes plantes sont réelles. Les plantes réelles, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Je ne mélange rien. Je prends les plantes qui sont dans ma main, comme vous voyez, et je mets dans la marmite et je fais bouillir et... Je donne ça au Burkina, Togo, Côte d'Ivoire. C'est difficile de les avoir, ces plantes. Ça, les mêmes plantes, les très très difficiles à trouver parce que c'est les plantes vraiment qui travaillent fort. Je me promets, beaucoup d'hommes me connaissent au Ghana, au Togo, au Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso et Mali avant de rentrer en Mauritanie. Et à travers ces pays aussi, en passant pour chercher les plantes, je traite aussi les malades qui viennent vers moi. Donc j'appelle la population, tous ceux qui s'intéressent à moi, Zara, de venir m'aider, de me soutenir, parce que vraiment les gens souffrent. Cancer des seins tue les femmes. Hépatite, c'est la maladie maintenant qui est là. Il est tellement plus grave que le sida même, parce que le foie, une fois le cancer est touché, tu n'es plus l'homme. Donc vraiment, il n'y a qu'à la société, il n'y a qu'à venir m'aider. Je peux même aider beaucoup d'hommes à travers mes plantes là. C'est pour cela que je me nomme pour montrer, je suis dans une cachette. Mais aujourd'hui, je vais faire voir qu'on peut traiter cancer de foie, hépatite, plus que cancer de sein avec les plantes. Les spermatoïsmes, un homme qui ne peut pas enfanter. Je traite le fibrome, je traite le kyste, les myobes sans opération. Et ça s'en va. Il y a beaucoup de maladies. Et mes plantes sont beaucoup. Ça dépend. Mais c'est épilepsie, tout ça là, je traite. Sauf la folie. Ça, je ne peux pas traiter. Si un patient vient chez moi, ce que je ne peux pas, je lui dis calmement, je n'ai pas ton plante. Et il s'en va. Je ne mens pas parce que je travaille avec Dieu. C'est la foi et que j'ai en Dieu qui m'a donné ces plantes-là. Donc toi aussi qui viens, il faut avoir la foi en ce que je vais te donner. Tu sois guéri. Je traite, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà tout ce que je peux vous terminer. Merci Zara.